pays Colombie sorti dans silence li après arrestation ancien militaire Mario Antonio Palacios Palacios dans pays Panama. Dans un article CNN publié, chef police colombien explique dans bon petit mamite qui ça fait pays Colombie accepté yo extradé Palacios dans pays les États-Unis d'Amérique. Et déclaration chef police là aggrave situation assassin yo pire toujours. On va l'expliquer où. Sans oublier, madame Palacios ensemble avec avocat fait gros révélation sous gang dans pays d'Haïti avec gouvernement haïtien. Bagay yo compliqué. Maman petite Mare senti. Jean Bagayo est là, semble gaz d'abral remonter encore. ANAPROS, qui c'est Association Nationale Propriété Station Servicio, eh bien, menace ferme potio si l'État haïtien pas retourné sous décision yon te prend. Parce que yon même, yon a fait déficit chaque jour. Dans vidéo ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou pral ge chans konne. Combien cob yon met pompe fait sous chaque galon gaz et si yon pral augmenter pour faire bénéfice, qui valait yon pral mette sous li? Bagay yo compliqué. Bataille entre Sénat ensemble avec Parlement continue pour Sib Chimel. Nan yon note, eh bien, président Sénat qui c'est Lambert Joseph mette de yon. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, li avise tout le monde qui travaille dans Parlement. Même chien qui convient manger zone en Parlement, gardez. Lundi 10 janvier, au petit jour, tout le monde supposé présent dans le bureau. Et si on moun pa vini, eh bien, on tout considéré c'est abandonné ou abandonné. Et le ou ap vini tout, pa vini de green gauche. Mette belle tête vers sou, mette bon soulier nan pie ou sous se fom, mette talon kiki tout pour vin travail normalement. Bon, pour qui ça tout marche pressé ça? Pour qui ça depuis bien avant, ça ou pas de jam kon fait? Est-ce que c'est 10 sénabral si décide de travail pour pays? Qui ça pral passé dans la date 10 janvier exactement? En tout cas, Jean Bagay la est là. Ça pral passé dans le pays d'Haïti, Antoine Nagomye Pokowel. C'est sous parole, ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou aller chez ou chita confortablement, faut qu'on s'amuse et faut pas ou rentrer la caille ou c'est un plaisir. M'ral ba ou tout tripotaï sa yon nan bon ti mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Ou. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est amis pas ou Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons une chance de présenter un petit compte matin là. Compte ça qui c'était, madame nan en dedans, chevel de yon. Merci à chaque fanatique qui te commenté, réponse lancée du feu. Un petit cri-crac pour nouveau compte que nous gagnons. Captain en bas cabane. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Sans nous pas, Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai comme te annoncé ou assassin ou nan kouri. Pirate toujours. Est-ce qu'on songe les Jovenel Moïse te fait déclaration ça, yo forcé le nommer 50 juges corrompus. CNN frappé sous assassinat président. Dans un article qui publié, déjà la police colombienne révélé États-Unis, Panama et Colombie te en contact permanent avec Jamaïque pour coordonner extradition Palacios Palacios. Bagayon papiti. Et Jamaïque li même qui soumel, malgré le mandé Haïti document nécessaire pour extrader Palacios, nèg yo gonjan, yo mayi moulen koyo, yo pa fè ça, yo pa bay ça qui important, eh bien, ça te vin renforcer pays Jamaïque, pi plis toujours. Eh bien, ça qui passe, parce que Colombie, États-Unis,
examiner. Système judiciaire pays d'Haïti a tellement corrompu. Allage palacios nan meyo, c'est lave messiate. Donc, c'est démagogie. Al prend palacios, la gueule nan me juge Gary Aurélien, c'est scal la favel, frères et sœurs. Nous connaissons ça très bien. Donc, Jovenel Moïse, te fait déclaration, hein? Yo forcé le nommer 50 juges corrompus. Kounya la, les sam quoi c'était nos conférences, c'était divers pays qui t'a participé, donc la France, les États-Unis, tout est là. Jovenel te fait déclaration ça. Donc yo même yo te noté que Jovenel te dit yo forcé le nommer 50 juges corrompus. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, nous capables dans le pays d'Haïti, corruption tellement important pour la justice. Waouh, son bagaille a pas. Et c'est pas pour sans raison, dernièrement, nous, ouais, justice t'a pété courir quitter le ministère, là, elle prend du feu dans la cour. Donc, dans un communiqué, police Colombie, lui explique, Palacios extradé Panama vers États-Unis. Trois pays, ça y est, qui c'est Panama, États-Unis, Colombie, ils étaient toujours en contact permanent pour coordonner expulsion et extradition présumé assassin vers les États-Unis d'Amérique. Révélation ça, c'est chef police colombien qui fait. Palacios Seyoun nan racispec nan assassinat président Jovenel Moïse qui était arrivé sauvé al caché nan pays Jamaïque. 31 janvier kap vini la, eh bien la ge pou retourner devant tribunal. Pendant moment, keneg ap bat en bas de yo, paste ki te participe nan touye président, mpa kache di ou, yo pren kabon, se jene yo ap jene. Et nou genye madame Palacios ensemble avec avocat, donc quand même tout Palacios tambaraje a ou samdou li te toujours été en contact avec madame ni. Eh bien, yo déclaré, après président fin mouri, te gon l'argent qui évalué à 20 000 $ américains. Yon gang ki proche gouvernement te bay n'importe côté yo joine mercenaire yo joine colombien c'est éliminé yo pour yo pas de parler. Eh bien li même qui te senti la ville en danger li te obligé traverser Jamaïque illégal en attendant le traverser pour aller dans pays bagay yo pas facile pour Palacios. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chay saute sous tête li tombe sous épaule conflit en primati ensemble avec Sénat continue à pousser Bichimel. En pile moun estime 10 janvier mandat sénateur yo a fini. Tandis que gen en pile l'autre qui fait connait c'est deuxième lundi mois janvier 2023 mandat 10 sénateur sa yo a fini. Pour ancien sénateur Yuri la Tortue, renard de la République, c'est pas n'importe qui. Li fait qu'on est actuel. Si le Sénat est entré en fonction en 2017, yo fait partie de grand corps. Si nous rete dans ça qui dit dans la constitution pays, le mandat 10 sénateurs sa yo a fini en 2023. M'te victime, dans l'année 2020, yo te bloqué pour ne pas passer entrer dans le Parlement. Pour ancien sénateur Sorel Jacet, 2 ans après mandat, deuxième tiers Sénat, t'es fini. Donc, monsieur, ça a été accepté. Yo te voye l'autre sénateur yo aller dans l'année 2020. Parce que yo te d'accord, mandat a fini. Eh bien, selon lui-même, Ariel pas remplacé Jovenel. Ariel parle à tout pour terminer si reste mandat Jovenel là. Li rale encore 11 septembre nan, pour faire qu'on est. Ariel doit rester jusqu'à ce que l'élection faite dans le pays. Ça pral dépendre de rapport de force entre gouvernement ensemble avec l'autre acteur politique. Pour sénateur Jean-Rigo Belizère, qui toujours en fonction, l'idée position très simple et claire. Élection est faite selon ce qui est écrit dans la Constitution 1987. Là. Donc, mandat sénateur a fini en janvier 2023. M'pa kwè premier ministre Ariel Henry qui a assez légitimité pour mettre fin au mandat tiré sénat. Hein? Même s'il te signé résolution pour Ariel premier ministre et pour Lambert, te président. À la traka pour la vekaite.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours sénateur Rigaud, li estime, mandat Ariel a fini 7 février 2022. Ariel te gen mandat, nous te vote Ariel. Aïe! Et non ça pour nous tomber, nous suspend. Parce que, pas de débat sous ça. Ariel, c'est si reste mandat Jovenel là, li te vin complété. Bon, tale, c'est pas nous même ça qui te nan manifestation toute la cette journée mandat Jovenel vinis fini 7 février 2021 puis kounya la n'a dit ça t'a vin fin fait tirer ce mandat. Mais je nous fais coquin comme ça. Oh, l'Éternel garde une nation. Pour ancien premier ministre Evans Paul, li déclaré. Selon constitution, hein, si monsieur te commencé en 2017, y'a fini en 2023. 2017-2023. Eh bien, ça fait 6 l'année. Sous dossier Ariel, là, il déclaré, Ariel Henry n'a pas de mandat. Il a fait 6 mois. Comme ça, tout, Ariel Henry a fait 20 ans. Il a fait quantité de temps dans le tête du pays. Est-ce qu'elle comprend, frère? Ariel Henry a fait 50 ans dans le tête du pays. Constitution pas prévoit, premier ministre, vient faire tirer ce mandat président. Pas de bagaille comme ça. Nous mourons, ne pourrons naître. Hey, il y a la tracaboule avec Kaïté, papa. Donc, dans le jour qui était 1er janvier, nous rappelons, premier ministre Ariel Henry te débarqué en Chango dans Gonaïve. Et l'elle te arrivé Gonaïve, si BM nan c'était faux, donc te nan bouchli. Li pa tap tou nan ou gren dan nan bouche li. Parce que plaque dan tap tombe. Et bien, frère, c'est ce bien-aimé, coordonnateur parti politique Kassid, John Kelly Sena, akize Yuri la Tortue comme moun ki finance gang yo pou te tire sou kotej premier ministre. Leader parti politique AAA, Haïti, en avant. Ancien sénateur Yuri la Tortue accusé comme moun qui payait gang yo pour te assassiner premier ministre Ariel Henry, frères et sœurs. Ariel Henry, nous manque perdu. Nous manque perdu PM. Nous manque perdu grand moun nan, mes amis. Donc PM nan qui te déplacé sorti Port-au-Prince pour aller dans Gonaïve malgré un pile menace. Et bien frères et sœurs bien-aimés, PM nan qui pral kouri sorti nan Gonaïve pour entrer Port-au-Prince. M'pa kache di ou, j'en nou tout tap gade le sou réseau social yo à travers diverses vidéos. Donc, c'est bon pied PM nan qui sauve. Elle arrive en côté, ou après comment le tap redi bondal, bagay la pat facile pou li. Eh bien, responsable parti politique Kassid la, akize Yuri la Tortue comme moun qui paye gang pour te assassiner PM. Donc, frères et sœurs bien-aimés, comme nous connaissons le pays d'Haïti, son pays coquin seulement qu'a prêté, n'attendons pour yon porter plainte contre Yuri, la justice, tentative d'assassinat, you understand? Série de nègres, tout fait carrière ou n'entouye, on a la tratable avec Haïti, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et solide nous pour journée aujourd'hui, alléluia, bon Dieu. Jeune parole là. Allez, ou pensez sain ou sain? Ou pas c'est fidèle ou fidèle? Oh, oh, ou pas nan péché, ou pas fait sexe? Elle l'aide ou l'aide, oui? Elle l'aide ou l'aide? Bon, ou tout l'aide, qu'est-ce qui prend l'intéresse de faire péché avant? Qu'est-ce qui prend l'ouvre? Garçon Abdou est fidèle. L'argent pas gagné, on pas net qui gagne l'argent, qui s'est passé, yo suivi. Pasteur, lague l'évangile là pour peuple attendez. Sois humble. Tu n'es pas innocent. Parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau. Et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon,
Je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle. Parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès. Donc, lui, les femmes le suivent. Ce n'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Ah, moi, si je comprends. Ah, ok, ça va. Elle l'aide ou l'aide? Ou tout l'aide, qu'est-ce qu'il va la tirer par où? Amdoula. Moun qui l'aide qui fidèle, vous comprenez? Ah, la traka, papa. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Haitian people, Creole speak, Creole understand. Yes! Anglais a commencé fort sur moi. Tête dit nous, dans le jour qu'a vini yo là, son anglais m'a le bay news là. Aïe, c'est pas blague qu'a bay, mais c'est souci qu'a contré. Frère, c'est ça bien aimé. Jean bagay là et là, gaz là semble pral monter puis red dans des. Après augmentation prix gaz là par gouvernement haïtien, dans la date qui était 10 novembre 2021, diverses pompes commençaient à penser comment ils pourraient fermer les portes. Selon sa responsable numéro 1, Anapros, qui c'est André Derifons, fait qu'on est. À cause de prix gaz qui augmente, ils viennent tomber dans fait déficit eux-mêmes. Qui est-ce qui a accepté d'investir? Et puis l'argent investi à le pape André, il n'a pas fait bénéfice sur lui. Bizi ça pas bon pour lui, nous comprenons. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, responsable Anapros la, lance yon appel à autorité haïtien yo pour repenser sous décision yo te pren, parce que yo même, yo pas kachita ap fè déficit. Et si pop commence fermé, pral gen yon rate gaz, nous tout pral tombe nan crise, pi red encore. Et Jean Magay la et la frères et sœurs bien-aimés, nous prenons un complot pirate, a ici gaz augmenté, et nous-mêmes, et consommateurs final là, c'est lui qui a payé ça. Bon, Magay yo, triste. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien, on va l'expliquer au budget. Pompe. Donc c'est ça, et budget ça, yo présenté pour montrer, mais qui quantité l'argent yo dépensé, et mais quantité yo entré, et mais quantité l'argent yo perdu tout. Déficit au fait. M'pral permet tout comprendre qui ça qui dit dans tableau ça va regarder là. Et comme ça, on va comprendre dans qui niveau nèg pa borisit yo intelligent. On parti. On l'est. Nous ouais, pour plan acheter 60% gasoline et yo acheter 40% diesel. Ça veut dire si pompe là pral acheter 100 gallons gaz, li acheter 60 gallons gasoline, l'acheter 40 gallons diesel. Ça veut dire gasoline en plus passe diesel là pour me permettre tout comprendre pi bien. Et bien frères et sœurs bien-aimés, pompe payé deux agents de sécurité. Chaque mois yon total de 150 000 goud. Tendez bien et comprenez bien. Ce n'est pas agent ou qui n'a pas plein ou juste bay l'argent, non? Non. Pas oublier pomplan, li siye contrat ensemble avec yon compagnie sécurité pour bal de agent sécurité pour sécuriser pomplan. Donc l'agent ça al jouen compagnie sécurité hein, et puis compagnie à lui-même li paye agent yo. Nous comprenons très très bien. Et puis frères et sœurs bien-aimés puis ba pompe yo gagne une génératrice qui boule un total de 15 gallons diesel par jour. 15 gallons diesel par jour. Et côté pompe là hein, espace loué à frères et sœurs bien-aimés. Yo paye li $3,000 américains par mois. Ça veut dire, si yon font contrat pour un an, l'on fait 3000 multiplié par 12, parce que année a gagné 12 mois, ça vient faire $36,000 américains.
$36,000 américains. Oh, l'éternel papa. Et pas oublier, ou acheté $1 américain pour 105 goudes dans le pays d'Haïti. On continue à suivre tableau pendant m'a expliqué. Yo payé divers frais personnels qui évalué à 125 000 goudes. Et on fait l'autre dépense administrative tant coup perte sous stock, frais déplacement, frais communication, fourniture, etc. Qu'on y a là, n'a pas entré dans casier yo. Nous a côté tracé, n'a pas entré là qu'on y a. Pour moi, mettre mon plan acheté un total de 18 000 gallons gasoline. L'acheter 12 000 gallons diesel. L'on fait 18 000 plus 12 000, ça égale à 30 000. Nous comprenons très bien. Quand y a là, n'aboué en bas côté marqué volume, non? Li marqué marge unité. Donc, là, c'est quantité cob mettre pour plan fait sous chaque gallon gaz. Ça veut dire, sous chaque grain gallon gaz, mettre pour plan fait un total de 30 gourdes haïtiens. Ah, 30 gourdes dominicains, ni 30 gourdes américains. Yon fait un total de 30 gourdes haïtiens sous chaque grain gallon gaz. Koun yon la frère et soeur bien-aimé, l'on fait 30 multiplié par 18 000 gallons yon acheté, li égale à 540 000 gourdes. Et puis, yon acheté yon total de 12 000 gallons diesel, yon fait 33 gouttes bénéfice sous chaque grain gallon. Koun yon la, l'on fait 12 000 multiplié par 33. Li égal avec 396 000 gourdes. Et puis, ou pral additionner quantité l'argent gasoline plus quantité l'argent diesel. L'on fait 540 000 plus 396 000, li vin bay yon total de 936 000 gourdes. S'arrête là. N'ap avance toujours. Kou nya la, pa bliye ou fè l'autre dépense tout pour moi. L'autre dépense yo fè pour moi, sécurité yo paye 150 000 goud. Gaz qui évalué à 160 000 goud, ça yo boule. Salaire qui évalué à 125 000 goud par mois. Loyer qui évalué à 315 000 goud, pas oublier c'est $3,000 américains. Donc l'on converti li vin bay 315 000 goud par mois. Et puis dépenses administratives qui évalué à 350 000 goud par mois. Et puis autres dépenses, yo acheté de l'eau, ouais ça me dou la si yo acheté bay pour yo friter, pour yo laver, autres dépenses petit détail yo pas expliqué qui évalué à 50 000 goud. Quand y'a là, l'on fait un grand total final, eh bien, cob gasoline, plus cob diesel, là, plus toute dépension, li vin égal à un total de 1 million, j'en ai gardé tableau, 1 million 150 000 goudes. L'on fait seulement total cob gasoline ensemble avec cob diesel, là, li ba yon total de 936 000 goudes. Donc, yon vin fait yon perte de 214 000 goudes, frères et sœurs bien-aimés. Yon pa pa accepté pour bagay l'arrête comme ça. Yon pa ka pedi l'argent comme ça, tandis que yon dépense plus et puis pour yon entre moins, soit yon fait bénéfice. You understand me? Koun ya la, bagay la pa bon pour yon, yon pa fait bénéfice. Koun ya la, frère, c'est ça bien aimé, pour yon pa ta plein, pour yon pa ta fait perte, pour yon ta fait bénéfice, kote ou ak marqué marge unitaire, yo fait 30 gouttes sous galon. Hein? Donc, faut ta augmenter prix gaz là. Pour l'argent, ça ta plus. Pour yo couvrir dépenses là. Et pour yo faire bénéfice. Parce que yo pas qu'à choisir mettre un petit bout d'amoné sous lit. Just
pour yon capable rentrer l'argent ou te dépenser. Ça veut dire, mais sou rentre à mes ou dépenser. Business pas fait comme ça. Faut faire bénéfice. Eh bien, admettons, nan place 30 là, l'état passé à 50 goud kounya. Sous chaque gallon gaz, yon a fait un total de 50 goud. Kounya la frère et sœurs, ou pral gagne 18 000, tade bien, 18 000 gallon gasoline, multiplié par 50, qui pral bon un total de 900 000 goud. Et 12 000 gallon gaz là, multiplié par 53, parce que l'argent yon fait sous gallon diesel là, actuellement, c'est 33 goud, ou ta multiplié par 53. Kounya la, li pral ba yon total de 636 000 goud. Et puis, l'offre total la, en général, ki pral ba yon total de 1 536 000 goud. Le ou retire 1 150 000 goud la dan. Donc, monsieur au café yon total bénéfice de 386 000 goud. You understand me? Donc, kounya la, pour l'État ta accepte yo augmente, faut l'État ta gon contrôle de comment pour plate kon fonctionne, parce que, pas de yon di sa ou mette nan sa, c'est la vérité. Nous kon comment pays sa fonctionne sous coquin. Et l'État li même la vole en bas, tout moun ap vole non prit, li pa gen temps pour le contrôler en yon, pour le fixer prix en yon. Tout le monde fait ça au pipito. Donc, non affaire où c'est celle mette seye, ou monte lovele ou descend ni lovele. Et qu'on sa bagay la yi. Donc, je bagay la yi la. Si monsieur dame yo annonce yop fait même pont, donc, faut l'état repenser, faut l'état accepter, yo monte parce que yo montre l'état. Mais quand il te la yom dépense, mais quand il te montre, m'a fait déficit. M'a fait déficit, donc, faut monter, faut faire plus comme sous galon gaz. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, Haïti son pays qui vivra verra, qui mourra kagara. Bagay yo extrêmement compliqué. Bienvenue dans Haïti, la République des coquins, sauf voler kaprete. En bon anglais, nous capable dit welcome to the Haiti Republic of. Anretan, pas besoin de finir ça. Anretan. This is my country, m'a besoin de finir ça, nous comprenons. A vin franglais, allez, vim frappate là pour nous. M'a pas de constat même. M'a vin parle anglais net, et puis m'a vini m'a déposé English sous là. A blague. Quoi, c'est ça, bien aimé. Donc, journée jodi, nous avons une bataille qui gagne entre Sénat, ensemble avec primature. Ariel pa gagne légitimité pour le voyer Sénat, le mandat Sénat pour qu'on fini. Gen constitution. Bon, est-ce que nous, résultat, nous pas choisi marcher sous l'ordre, selon principe? Parce que si l'élection te fait telle date, m'ap konnen ki le mandat m'ap fini. Mais c'est tellement nous coquins, tellement souffre nous coûte, tellement nous pas gen ke. Lorsque nous besoin craser, briser dans le pays, là où gon moun ki bloke nous pour nous pas voler. Sortant de nous tourner, nous vin transformer tant kou loup-garou. N'a promené tout côté ap kodase. Mon dernier man sa Lambert te genye. Kounya la mes amis Lambert fin fou Lambert a oyo. Mon dal poko fini. Ariel li même li fin fou dou la fout yo de yo nan pays. La fout yo de yo nan chanm sena. Kounya la pou Lambert ap kouri met not de yo. Tout moun suppose vin travay. Kade nou abye ou normalement pou vin travay. Sou pa la nap konsidere ou. Tant kou moun ki abandonne. Mon fan dat gen moun ki te abandonne. Pi kounya nap jaje ou. Ganou beyi, monsieur. Donc, nou kapab wè frèze se bien aimé. Foug neg yo genye. Vitesse yo utilise. Le pouvoir yo menace. Franchement. Si on te kon fait ça chaque jour dans pays à nous tap loin. Donc nous capable monsieur dame seulement là pour gérer intérêt pas rien pays cap gérer ça dou oui mandat supposé fini non mandat pas supposé fini mais nous te font élection nous te connait mais qui l'est monté mais qui l'est m'a fini pour qui ça m'river dans carrefour ça pour gon discussion. C'est parce que nous pas respecter la loi nous gon constitution nous prend nous bouil nous bred loi. C'est chaque le pouvoir nous menacer, nous changer de constitution.
Donc, là, nous t'a crasé, nous t'a brisé. Yon moun qui élu, yon moun qui a légitimité, nous manger l'entre nous pour nous mettre yon qui illégal. Kounya la, li même vini tellement senti le pouvoir, donc ça qui est légal, il dit nous tout a vini légal net dans le pays. Et bandit qui pral légaliser yon bagay comme ça. Donc, l'on on a fait à bon dirigeant bloc sou pay sa yo. Oui, sou paquet bon dirigeant bloc sou pay. Donc, l'on mette yon yon sou l'autre ou pense yon pral fait poids, l'on lage bloc la, il fait choup nan pay la. Il effondre nan moun. Donc, c'est mode de dirigeant sa yon nou gen. Discussion. Donc, les Jovenel Moïse, oui, il faut aller telle date, oui, mandat a fini, oui, ceci, oui, cela. Mais c'est devant nous toutes. C'est devant nous toutes, parmi nous qui viennent passer dans l'opposition. L'elle t'a prononcé discours, l'il dit ou quelqu'un a commencé journée aujourd'hui. Et l'elle t'a prêté serment, c'est en 2017. Devant nous toutes, l'il dit nous l'a fini en 2022. Mais qui s'est passé qui fait? Yon titan, oup, bagaille a changé. Oui, c'est 2021. Oui, c'est 2021. C'est devant nous tout qui t'a prononcé discours. Qui s'est passé? Nous tellement coquins, nous tellement audacieux, nous tellement pas honnêtes. Nous toujours à choix pour nous faire si coupe. Mais on ça crase là. Là, nous fait si coupe comme ça. C'est toujours des volants, nous. C'est toujours comme si intérêt, c'est toujours son côté de besoin arrivé pour nous apprendre sans contrôle, oui. Si nous t'avons fait si coupe ça, au moins pour te faire respecter la constitution, tu as compris. C'est ça que fait ma vie, frères et sœurs. Ou ap gadon ekip moun nan peyi a ki se gros intellectuel, yo gen doctorat, yo gen un plom, deux plom, trois plom, quatre plom, yo monte plom, nan men yo. Yo fait politique depuis 1900 jamais. Yo toujours là fait politique. Peyi a toujours été même côté li a, pas chanm gros changement qui fait. C'est parce que yo pas honnête. Donc, étude ça yon fait, c'est pour yon ka toujours été chou le monde. C'est parce que étude yon fait, son série de études pour yon vin esclave volonté. Parce que si yon tout gros intellectuel ça yon nan pays, yon fon de capable diriger pays. Li pas supposé arriver nan niveau ça. Nous pas supposé arriver nan kafou pour que ce moun qui pa de légitimité kap diriger nan pays. Yon. Nous connaissons chaque 5 ans, fuck élection faite, président descend, président monte. Nous pas tap tomber dans crise comme ça. Mais à chaque président fini, donc faut nous pète en bataille pour nous cal volo. Mais nous capables. Donc, les m'ap gade yo, youn kap pale l'autre mal, ça kap dou même ou pas bon, c'est moins bon, tel akok pas bon, c'est tel akok bon. Nous gade tout, nous dit nous tout c'est volo. Nous tout pas honnête. Nous toutes sommes bonne équipe bloc sous paille. Nous toutes sommes bonne équipe esclave volonté. Parce que si nous pas esclave volonté, journée aujourd'hui pays a pas ta privé nan kafoulé là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. Haïti a spécial, vrai frères et sœurs. On suit vidéo ça. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The
L'évangile arrive juste là. Oh non, m'pas quoi. M'pas quoi l'évangile arrive là, voisin. À la traque, papa, c'est bénédiction qu'a mette, oui. Bénédiction. Oh, l'éternel, papa. Oh, l'éternel, papa. Aïti, ben chansou. C'est pas blague. Donc, j'aime toujours remédil. Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti démocratie, c'est la république des coquets, sauf voler caprété, qui vivra verra, mais qui mourra kakara. N'a fait place à Voix de l'Amérique Presse, formation nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui n'est pas trop long. Salutations. Merci tout le monde de faire que vous branchez sur la Voix de l'Amérique après-midi. Nous sommes bien contents que nous entrions la carrière jeudi à jeudi 6 janvier 2022. Un jour qui est important dans l'histoire des États-Unis. C'est le jour que les États-Unis ont marqué le premier anniversaire. Attaque partisan, ancien président Donald Trump, qui a été fait contre le siège congrès dans Washington DC. Dans l'occasion ça, le président Joe Biden prend la parole pour défendre la démocratie. Mais quel grand point dans le discours ça avec Sandra Lemaire. Président Joe Biden commémoré premier anniversaire attaque contre Capitole la jeudi à qu'on rencontre avec membre congrès. Côté, il était songé attaque violente qui était changé fondamentalement congrès et puis soulevé question globale sur avenir démocratie américaine. We are a great nation. Président dit, nous sommes un grand pays. Compatriotes américains, moi, dans la vie, gain vérité et tragiquement gain menti. Menti que nous propager pour raison économique et pour gain plus pouvoir. Faut que nous absolument clair sur ça qui vérité et ça qui mensonge. Mais vérité, ancien président des États-Unis d'Amérique là créé et propagé une niche menti sous élection 2020. Il fait ça parce que pouvoir puis important pour lui passer principe. C'est parce que les web propres intérêts pali puis important passer intérêt pays li. Intérêt États-Unis. Et parce que égo li qui prend choc, puis important pour lui, parce que démocratie nous à constitution nous. Li pas qu'à accepter que le pays dit. Malgré c'est ça que 93 sénateurs américains, propre ministre justice li, propre vice-président li, gouverneur, responsable état yo, tout partout dans le pays ya, tout d'accord li pe di. C'est ça 81 millions américains décidé leur yote voté pour un nouveau chemin pour pays ya. Monsieur fait ça aucun président dans l'histoire États-Unis pour que j'en fais en vain. Il refusait accepter résultat d'une élection avec volonté peuple américain. In American history, the history of this country has ever done. He refused to accept the results of an election and the will of the American people. Malgré les garçons et femmes dans le Parti républicain chargés à courage qui étaient dénoncés les actes et qui étaient essayés de défendre le principe parti, qui est un pilote qui fait partie à tourner une autre bagaille complètement. Biden et démocrate ont même joué dans Statuary Hall, qui est un lieu côté attaquant qui ont été envahi, sa gain une année de ça, et puis essayé d'interrompre le comptage voix électorale. We must decide. Président dit qui donc connaît là, faut que nous décider qui qualité pays nous veiller. Est-ce que n'avons pays qui a accepté violence politique comme un bagage qui normal? Est-ce que n'avons pays côté nous quitter responsable électoral et prendre parti pris et puis renverser volonté légale peuple là? Est-ce que n'avons pays qui vivent pas pour lumière vérité mais dans l'ombrage mensonge? Nous pas qu'à quitter pays à vivre comme ça. Seule façon pour pousser pour pi devant, c'est reconnaître vérité et puis vivre en accord avec vérité ça. Division ça a rappelé gros failles qui existaient en deux partis politiques yo et qui deviennent plus graves après plusieurs centaines partisans Donald Trump té goumé avec la police et puis voyé coup point et puis servi avec n'importe qui ça yo té ka ramasser pour craser vite Capitole là et puis interrompre certification Joe Biden comme gagnant élection présidentielle année 2020. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington.
Concernant même nouvelle ça, autorité de la justice aux États-Unis, eh bien, ils ont annoncé tout que il a fait tout ça au capable pour traîner, pour prendre les nécessaires pour traîner dans le tribunal, monde qui était responsable à taxi janvier, c'est François Michel depuis Miami. Ministre de Justice des États-Unis, Mary Garland, promet hier mercredi 5 janvier 2021 que avocat gouvernement dans le département de justice là pour poursuivre l'autorité dans quel que soit niveau qui est responsable pour déblosaille supporté président à l'époque là Donald Trump et pété dans le Capitole des États-Unis. N'a pas suivre ça qui est passé. Quel que soit côté ça menait, quel que soit temps la prend, c'est comme ça Garland t'est parlé avec avocat yo et avec employé yo, yon jour avant premier anniversaire événement côté déchouquette et envahi pendant plusieurs temps Capitole là, yon building tout monde là ouais en pile fois comme symbole qui représentait démocratie États-Unis. Garland dit plus passé 725 monde qui t'est participé dans déchouquette là, joint arrestation yo. Quelques n'ont eu en bas accusation pour voie de fait sous la police, côté y ont été mettés par le matériau en retard. Les ont certifié que Trump perdit l'élection, côté ont cherché un deuxième mandat en 2020. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Acts wherever they lead. Dans le pays d'Haïti, président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, dit ce deuxième lundi mois janvier 2023. Mandal, lui-même avec collègues, a bout, contrairement à ça, quelques monde a dit. Un reportage, Renan Toussaint. Dans un point de presse, jeudi 6 janvier 2021, président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, par rapport à tout débat qu'a fait sous durée mandat du Sénat, dit, c'est diversion quelques individus ou bien institutions a fait pour bouiller opinion. Sénateur Lambert fait connaître que c'est deuxième lundi, mois janvier 2023, mandat à bout. Élection en fait en novembre 2016. Résultat by 3 janvier 2017. Le bon certificat d'élu le 4 janvier 2017. Et le 8 janvier 2017, groupe sénateur qui est ensemble avec sénateur privé, tant que Dozeni, Carlos Lebon, Péanic, tout le monde, eh bien, ils ont quitté le Parlement. Sans pas qu'un retard. Eh bien, le 9 janvier 2017, nous entrons. Et 9 janvier 2017 à 2023, il fait exactement 6 ans. Parlementaire qui anticipait par rapport à Moun Kap 10 et lundi 10 janvier 2022, mandat Yoab Boutla, précisait que Premier ministre Ariel Henry n'a pas de pouvoir pour le renvoyer, rester Sénat. Sénateur Lambert rappelait attribution Premier ministre Ariel Henry. Ariel a un mandat précis, régler question sécurité. Chercher bataille pour faire une nouvelle constitution et puis aller dans l'élection pour remettre l'institution de l'État en place. Pour que l'autorité de l'État à Kachita et fait valoir dans tout le pays. Pour que les gens soient capables de circuler librement, si les gens soient capables d'aller à l'école et ensemble activités économiques et sociales capables de reprendre dans le pays. Président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, dit 7 février 2022 qu'a venu. Si tout acteur n'a pas gagné temps, joigne un consensus politique largement large, bagay yo pas douce dit tout dit tout pour Premier ministre Ariel Henry. Il y a le 7 février, d'autres qu'on a parlé encore, qui était qu'à consacrer fin mandat président Jovenel. Et Premier ministre tirer légitimité lui, de légitimité président Jovenel là. Encore une fois, le 7 février est arrivé, problème encore dans le pays, parce qu'il a dit, ou pas gagné légitimité encore parce que mandat président Jovenel là fini. Je ne veux dire, compte tenu du fait que ce n'est pas un mandat que le gagné, pour n'y aller, ni tapis bon et plus sage politiquement, pour que depuis je ne veux dire, au lieu que on a réfléchi de vous aller, qui le mandat fini, pas qui le mandat fini, peut pas ici attendre, mais je ne veux dire, que c'est l'élite politique en un pays, l'élite sociale en un pays, peut pas ici attendre, qui le nous capable de jouer un accord, un grand consensus. Entre Montana, Penn et Ariel, à quoi Ariel là, avec bien sûr équipe 11 septembre dans la donne tout, avec du pouvoir là dans tout, pouvoir qu'en place là dans tout, et puis pour nous jouer une solution ça, pour que définitivement nous remettons pays sous rail démocratie. En pile personnalité importante, tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, Youri La Tortue, avec divers lots, avec organisation Droit Monde Code, dit ce deuxième lundi mois janvier 2023, mandat 10 sénateurs à bout. Yon dossier n'a pas suivi. Renan Toussaint pour La Voix d'Amérique. Port-au-Prince.
Merci Renan Toussaint. Haïti commence l'année 2022 avec pigo problème qui était tracassé pendant l'année 2021, qui c'est insécurité. Est-ce qu'il y a une solution? Sandra Lemay avec Yvan Vilnius a cherché réponse. Question ça pour nous. Pour qui ça problème insécurité qui a miné la vie citoyen pays d'Haïti a beaucoup résoudre? C'est question en pile haïtien en dedans pays a coup à l'étranger a posé. Activité gang yo affecté tout aspect la vie en Haïti. La police a venu. Et nous qui t'habillons, sans nous-mêmes, il n'y a pas qu'à fonctionner, non? Camille Chalmers, c'est un professeur université l'État et puis responsable plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif. Insécurité impossible parce que gang yo yo recevoir zam, yo recevoir l'argent, yo recevoir munitions. Et au jouit d'une impunité totale. C'est ça qui fait que gang yo capable de toute force et toute puissance. Donc, premier balan, c'est couper le lien qui gagne entre le pouvoir central avec gang yo. Parce que je dis, il est clair, et là, il y a une pile de documentation, il y a toute recherche qui est faite dans le Sénat par rapport à la culpabilité en série de sénateurs, la question de gang, etc. Donc, il est clair que y a une connexion organique entre gang yo avec pouvoir politique. 1er janvier, dans le moment Premier ministre Ariel Henry était go naïve pour commémorer 218e anniversaire indépendance Haïti, coup de zame t'est marié et forcé le raccourci visible. Le discours était prononcé pour dénoncer attaque ça. Premier ministre Henry était cimenté gouvernement liant pas en affaire avec gang. Nous voulons continuer le travail contre l'insécurité. Bandit rete bandit. Gouvernement pas bail bandit l'argent pour continuer à faire acte banditisme. Si gen l'argent pour bail bandit, n'a bail la police là pour que la police là cherche bandit, mette bandit hors d'état de nuire. Nous pas dans business bail gang l'argent. Voler, c'est voler et c'est un voler dans le traité. Assassin, c'est un assassin dans le traité. Dans Matissan, nous parlons à quelques personnes qui étaient obligés de courir quitter Kayo l'année passée à cause de la violence gang. Kayo détruit, business écrasé et ils ont commencé l'année 2022 sans yo pas gain aucun Kayo pour yo rete, qui donc yo continué à vivre dans le stade. Nous tous crier là, nous parlons au fin à vivre là. Même quand c'est l'État qui fait que vraiment un dossier ça, t'as pas un dossier ça pour nous longtemps. Parce que pas de dossier ça, l'État ici va pas manger. Dossier pour manger. Là, nous tout là, nous demandons la mort pour nous, la mort va appeler nous. Mon côté est mieux là, mon petit monde ça va pas dans même. Petite moi, je prends cartouche, je prends balle. Moi, je suis avec Jésus moi-même. Pour le moment, nous là, nous passons un mauvais moment. Moi-même, comme grand monde, gratel pour grand monde. Je gratte matin après-midi. Si mon moi yo tel yo gratte mais on enflé. N'a rien mais bon changement dans pays non. D'après professeur Chalmers, insécurité a bénéficié quelques politiciens. Gang yo sont instruments politiques, sont instruments qui au service de projets politiques. Il est clair que solution li doit d'abord politique. Police nationale haïtienne bail plusieurs conférences de presse pendant année 2021 côté yo annoncé arrestation membre gang yo. Pendant ce temps, Haïtien Matissan qui parlait avec nous, mandé l'État faire aux gens pour régler problème là. Et la peine nous t'amener dans pays nous pour nous dans la caille nous parce que bon Dieu était bon nous on côté pour nous vivre, pour nous dormir, pour nous lever. Mais nous pas grand monde pour nous driver dans toute bagaille ça yo, ça micro vieux. Nous t'amener que grand santé. Pour Yvan Vilnius dans Matissan, moi c'est Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique. N'a toujours été dans le pays d'Haïti côté autorité de la santé ou rentre la presse pour faire lumière sur une série de pandémies ou bien série de maladies qui frappent la population en matière de ville. Fièvre et grippe, c'est des maladies qui ont frappé la population haïtienne dans les derniers jours. Quelques monde qui trappent la maladie, ça y est, ont réagi dans mes couacs devant la caméra. Nous croyons que c'est victime de COVID-19. Là. Dimanche soir, la fièvre la prend moins, les prend grippe. Tête fait mal. Votre fait mal en même temps? Les bombes diarrhées, effectivement, les bombes vomissements. Bouchou, vous ne pas sentir rien.
même de l'eau à boire ou pas prendre goût de l'eau parce qu'on dans bouche salé fièvre ça la tuer monde quand même parce que moi même moi c'est bon Dieu de péter là corona le bata ou même c'est corona lié parce que pays a son beau pays lié nous rivé pas mourir mais moi même c'est corona lié la fièvre là pour qui j'en prends il paraît ensemble avec toute grippe lié et puis ou pas qu'à prendre centre tout en dans ventre formal. Et puis d'écraser tout connait même quand on t'a dit comment corona parce que moi tout symptôme lié vraiment ou pas prendre sang et puis ou gon rime blanche qui a coulé en dedans nous tout ventre ou formal tout bagaille ça veut dire tout connait c'est que là oui et ça me mettant comme si j'en fais ravage l'autre côté à pas faire pour nous comme ça parce que bon Dieu remet nous et associé à comprimer pour nous boire temps en temps pour nous boire parce que le craser mes isoc là encore nous net. Sous question ça, directeur ministère santé publique et population docteur Adrien Loré dit qu'il y a recherche qu'a fait pour connaître qui sa pathologie ça y est. Nous dans saison grippale, dans saison grippale ça veut dire que nous attendons parce que il y a un pire monde qui fait grippe qui vient amener flou. Sauf que la dernière semaine ça y est, c'est pas capable les semaines épidémiologiques. Nous remarquons que le couple là, les contingents différents par rapport à ça, nous attendons à ce que nous. Donc, ce qui attire l'attention, nous, sur le fait que capable de gagner un petit bagage en bas, en bas tout. Mais pour ça, pour capable, c'est plus de monde qui est exposé à grippe, là, qui vient grippe. Avant que nous rentrions dans le détail technique pour nous dire qu'il y a pile de grippe, ça, c'est Covid, ou bien c'est variant particulier qui va y avoir, il faut que nous gagnions des examens. Les résultats de laboratoire qui va être. Et c'est dans ce sens là que la laboratoire nationale de santé publique, lui-même qui est responsable, a fait test et a fait chercher variant, gagner des spécimens ou bien des échantillons qu'elle voulait analyser, n'a pas le résultat toujours. Et le résultat prend un petit temps en plus, on a participé pour expliquer ça, parce que le pays qui a analysé pour nous, varier, il y a son pile analyse sur la caillou pour chercher variant tout. Donc, si c'était un variant qui n'est pas aussi propagé à travers le monde, peut-être que nous avons bien tant de résultats déjà, la boîte à parler, peut-être si vous changez. Donc, nous connaissons, parce que tout après ça peut péter, variant ça est très contagieux, mais de l'autre côté, il n'est pas aussi grave. Que variant Delta, qui lui-même c'est variant circulant que nous gagnons sur le territoire. Numéro 1, ministère Santé publique, là, Dr. Alex Larsen, demande la population pour faire professionnel la santé liée aux confiances. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia de Villemay pour la Voix de l'Amérique. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, notre tête collée avec l'État, prend engagement pour relouvrir l'école dans tout quartier côté gain sécurité. Il y a une correspondance, Yves Manuel, qui est en contact avec le ministre Nesmi Maniga. Ministère éducation nationale et formation professionnelle dans logique pour combattre inégalité sociale là mandé dans commencement année 2022 pour toute porte l'école l'ouvrir dans tout quartier ministère éducation nationale là Nesmi Maniga bay garantie gouvernement dans tête collée à institution la diriger à travail pour battre chalbaré des actes violentiaux dans l'idée pour permettre tout élève reprendre chemin l'école dans toute ville dans tout village dans tout quartier en ouvert porte toute l'école pour accueillir élève. Dans la logique bataille contre l'inégalité sociale, nous ne sommes pas capables d'accepter une partie élève aller à l'école, tandis qu'une autre partie obligée de chiter à la caille. Pour quelle que soit la raison, nous ne devons pas accepter ça. L'État ne doit pas accepter ça. La société ne doit pas accepter ça. Dans le grand site pays d'Haïti, côté infrastructure et scolaire, nous avons subi gros dommages. Le ministre a encouragé l'État pour faciliter l'école, ça y gagne plus de moyens et puis enseignants joignent plus bon traitement. Nous saluons courage et patience population qui est dans le grand sud pays. La gravité situation a demandé pour nous aller plus vite, plus bien. Le premier ministre pays, Dr. Ariel Henry, dans solidarité avec le ministère de l'Éducation nationale, encouragé le reste gouvernement à mobiliser l'État pour permettre l'école de joindre plus de moyens. Dans même l'idée ça, n'a continué travail pour bailler enseignants plus bon traitement. Pendant nous pral engager plus jeunes enseignants qualifiés dans l'année 2022. Nesmi Maniga a profité occasion pour féliciter parents yo pour encadrement yo bailler élèves yo. Ministère éducation nationale prend engagement pour soulager misère parents ça yo dans plusieurs niveaux. Ministère accepte reste gouvernement
a travaillé pour soulager chaque payer l'école qui sous dos nous. C'est comme ça, après uniforme unique dans l'école publique, après baccalauréat unique, pendant l'année 2022, nous avons finalisé le dossier livre unique là tout. Pour nous comprendre plus bien, nous avons baillé un seul exemple. Yon parent pas besoin acheter 17 livres pour un petit monde qui est dans la première année de l'école fondamentale. Il peut acheter les livres qui sont nécessaires vraiment pour l'apprentissage dans la classe. Nous travaillons tout pour mettre un bout dans la misère et l'élève à passer pendant plusieurs jours pour jouer une relevé de notes avec diplôme l'État. Avant longtemps, il est capable d'avoir accès facile à ce service sur téléphone ou bien sur ordinateur. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, fait déclaration ça. Dans l'occasion, nouvelle année 2022, Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Nous avons un coup de pied aux États-Unis, dans Boston, Massachusetts, pour la première fois. Il y a un Américain d'origine haïtienne, prêté serment, comme membre du conseil municipal Villa. Il y a un reportage, Elix Doelas. 3 janvier 2022, une date historique pour la communauté haïtienne dans la ville Boston, Massachusetts. Prestation serment, premier conseiller municipal élu, américaine d'origine haïtienne, Rodi Lujan, t'est prêté serment devant City Hall. Rodi Lujan, first Haitian American city councilor. Rodi Lujan, premier conseiller municipal haïtien-américain. Yon cérémonie qui était déroulée de Yomeria à cause du nombre de monde qui est infecté avec maladie coronavirus là, a monté dans la ville Boston. Premier conseiller municipal élu haïtien-américain, Rodi Lujan, t'es dit avec la Voix de l'Amérique, comment les sent-il après prestation serment? C'est un gros moment pour la communauté haïtienne, c'est un gros moment pour la famille, pour les parents qui sont à Haïti, ils sont venus là, ils travaillent dur, ils sacrifient un peu pour moi-même et puis toi, c'est moi. Donc, pour papa, je suis là hier soir, pour que je sois là, pour que je réussisse ça, il fait vraiment content, fier d'être haïtienne. Cérémonie investiture là, t'es déroulée. En présence, magistrat Ville Boston, Michel Roux, avec plusieurs gros autorités dans l'État Massachusetts là. Défi au bral en pile pour conseil municipal élu. Dans une interview exclusive liba à la Voix de l'Amérique, conseil municipal Boston, Rodi Lujan, t'est dévoilé qui sa priorité pendant sa première jour. Eh bien, c'est un problème kai. Affordable housing, c'est un gros problème pour la communauté, pour la communauté haïtienne, surtout avec les gens qui sont du Mexique, donc c'est un problème de travail. On veut travailler sur le problème que nous avons comme la communauté haïtienne, problème ressources, problème comme ça, problème immigration, même là, c'est pas moi-même comme conseiller at large dans la ville de Boston qui travaille sur le problème immigration. Je travaille avec Elizabeth Warren, sénateur, pour qui est-ce que je travaille avec Ayanna Pressley, Ed Markey, tout le monde qui travaille pour nous créer une ville qui côté peuple haïtien, l'autre immigrant, qui a réussi. Napsor connaît, pendant le déroulement cérémonie, il y a un groupe manifestant de débarqué, Vin Voyer, Toya, ce magistrat ville Boston. Michel Wu, à cause des décisions qu'il prend, qu'à partir du 15 janvier 2022, pour rentrer quelque côté dans Boston, quoi besoin d'entrer 4 vaccinations. Tout le monde a le droit de manifester dans l'ordre et la discipline, ses droits, constitution américaine de Bayo. Donc, c'est le monde, un peu de monde n'a pas même été dans Boston qui a fait manifestation. Donc, nous avons une constitution qui a le droit pour faire manifestation. Mais si vous voulez manifester, vous pouvez faire. En début d'année 2022, commencé sur note positive pour la communauté haïtienne dans Boston, Massachusetts. Un peu de monde, bravo la contentement pour le conseiller municipal élu Rodi Lujan, Chita Andamiria, dans Centreville, Boston. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Mettez ma sourde, ma mettez pas comme ça, nous avons protégé l'autre contre la propagation de la pandémie coronavirus. Là. Delta, Alpha, Beta, c'est un bon variant qui ne peut pas suspendre des filets devant Jane depuis le coronavirus a fait apparition dans le monde. Là. Dernière qui c'est Omicron, la GECO qui est sautée dans les temps citoyens dans le pays Canada, et spécialement dans la Cour Montréal, côté gouvernement provincial a imposé un couvre-feu depuis le 31 décembre passé. Nous avons parlé à quelques membres de la communauté. J'espère que nous allons régler rapidement et que nous allons gagner la liberté. Nous ne pouvons pas vivre encore.
Moi, je ne comprends pas les gens qui disent qu'on me prive de ma liberté. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas avec la COVID? C'est une pandémie et non une épidémie. Il y a une différence. Quand que c'est la terre entière qui est touchée, arrête de te plaindre le ventre plein. Combien de gens en Afrique qui n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi s'habiller? Nous, on est ici. Tu n'as pas de quoi manger, mais tu as le fédéral qui te donne un PCU, PCR, pay whatever. Et puis, on trouve le moyen de chialer. OK, ben, oh oui, on nous prive de notre liberté. Mais tu n'es pas emprisonné, tu n'es pas en arrière des barreaux, tu n'as rien. Fait que pourquoi tu te dis on t'empêche pas de priver? C'est juste c'est pour le bien de la terre entière et non pour me, myself and I. Et donc, le couvre-feu, ça vous dérange pas? Pas du tout. Pas du tout. Depuis le fait 10h à souhait, jusqu'à 5h du matin, la rue Montréal-Blanche, à cause du couvre-feu, c'est le monde qui est autorisé, qui a circulé. Et si toutes mesures sanitaires, ça a créé polémique dans les temps citoyens, il y a l'autre qui garde l'espoir et qui paraît pour répondre présent. Les toutes barrières recommencer. Ah oui, c'est sûr. Surtout en été, surtout quand tout le monde va réouvrir et tout, les festivals. Mabla, mabini. Pour Kounia, toute activité culturelle, je suppose. En plus, le gros événement qui était prévu fait, mais commencement à l'année à renvoyer à cause du variant Omicron hein, qui va les terrains dans le pays. Ici, Wilfried Estimé depuis Montréal, Canada, pour La Voix de l'Amérique. Et puis, nous parlons joindre un journaliste, Gérard Maxino, qui va parler de Haïtienne qui marque le 127e anniversaire. C'est ici à Nandafou, première section basse plaine de la commune Limonade, que nous avons rencontré Mme Françoise Pascal, qui célébrait jeudi mercredi 5 janvier 2022 127e anniversaire de naissance. Curé paroisse Limonade, là, révérend père Christian Saint-Martin, expliquait que c'est un fidèle dans l'église qui te mettait au courant. Françoise Pascal, c'est un fidèle qui était élu, qui dit que ça a besoin, parce que fidèle là, tout est malade, il dit qu'il a besoin. L'aimé de côté, il dit que ça, mes copies avec de naissance, ça y est, ces copies avec de naissance ont grand monde, qui sont fêtés 126 ans et ils parlent fêter 127 ans, et le 5 janvier. Et il fait dans l'acte de naissance, qui n'est pas trop clair. Mais nous, non, le paraît bien clair, Françoise Pascal, née le 5 janvier 1895. C'est quelques bons prochains dans la zone qui est occupée de Mamie Françoise, parmi eux, Madame Myolène Alcindor et Jean-Baptiste Léon. Tout le temps que je passe ici, je suis toujours reconnaître lui, je ne connais pas son nom qui est avec personne. Même pour qu'on te rete l'âme, te qu'on a pour occuper une soto cap, mais c'est pas te aide à famille qui te bombe. Quand il y a une famille, on y est ce qui l'autre bord, qui vient responsable, quand il voye copio occupé. Mamie Françoise expliquait l'idée gen trois timoun qui mouri. Notre demoiselle li, Mamie Françoise fait connait l'idée qu'on organise bal qui réunit en pile moun, mais tout, que gros autobri dans la zone. Gede le autre de ça yo. Le jeudi marche, le dimanche, le moun la bouk tombe, moun la bouk, moun tati mare, moun la molle, le pisse oué, kape, moun kon fèl poin li sasa, oui, pour faire plaisir. Limonade kon poin li sasa, pour faire plaisir. Gwole ta kon vini. Dimanche 9 janvier Cap-Vignan, paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim a célébré l'événement ça, selon explication curé paroissien père Christian Saint-Martin. Oui, dans paroisse là dimanche prochain nous déjà mobilisé, nous pour faire gros fête pour lui parce que bon tradition dans paroisse ça, tout le monde qui t'a fêté pendant semaine là, le dimanche là on venu pour capable célébrer fête ça dans la prière pour bénir. Donc lui-même, on va chercher le dimanche matin bonnet et on va le chercher à la place d'honneur pour un choral qui a fêté, qui est déjà intégré dans le programme, pour être capable de faire fête ensemble avec lui. Et après la messe là, on va sabler champagne ensemble avec lui pour fêter les 127 ans. Célébration s'arrivait quelques jours après que le pays Japon soit fêté 2 janvier que soit passé à 119e anniversaire. Kanako, que considéré comme doyenne de l'humanité. Jérôme Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix de l'Amérique.
Ben Sento avec ingénieur nous et tout l'autre monde qui a porté contribution par une émission ça pour le travailler dans la carrière, on a dit ou même qui t'a gardé un tour. Merci en pile. Moi vous merci parce que t'as suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience ou. Moi pralem ak kito nan bras papa mounje parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. M'ramasse paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'prale. Mais ma kito nan bras papa mounje parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.